Et salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils, j'espère que vous allez bien. Salut à toi Manon. Eh oui, tu es la première. Félicitations, bravo. Félicitations. Bah écoute, alors j'ai pas de médaille pour toi, malheureusement, mais crois-moi, c'est... Voilà, en guise de médaille, bravo. J'espère que tu vas bien, j'espère d'ailleurs que tout le monde va bien. Moi, mes jambes se remettent de mes émotions du week-end dernier, puisque pas de stream la semaine dernière. Et je continue de m'hydrater comme il faut. Je pense que normalement vous entendez que ça va un petit peu mieux au niveau du nez. Et on va continuer nos aventures sur le Home Lab. Hein. On va continuer de faire joujou avec notre déploiement de VM Debian. Je ne suis pas encore tout à fait prêt, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Est-ce qu'on en a d'autres qui arrivent sur le chat par hasard? Pour le moment, non. Mais ça devrait pas tarder, je pense. N'hésitez pas à faire un petit coucou, celles et ceux qui arrivent. Je vous jure, je ne mords pas. Alors, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'avais fait de l'URL du cockpit. Ouais, en même temps, le cockpit n'est pas démarré. Tiens, c'est marrant. Ah, ben voilà, 90, 90, c'est pas le numéro de port. Hop là. De quoi? C'est mieux quand on démarre cockpit? Ouais, c'est mieux quand on démarre cockpit. Ah, t'avais l'onglet en muet! T'avais l'onglet en muet! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là! Ça, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Ça me rassure que ce soit comme ça plutôt que ah ton micro il marche pas. Surtout qu'en plus, pour être complètement transparent, j'ai fait quand même un minimum de vérif avant de démarrer le stream et je me suis fait peur parce que donc je fais un enregistrement de test en parlant et puis ensuite je vais chercher le fichier pour le lire directement dans VLC. Et là, je vais dans le répertoire où normalement c'est censé enregistrer mes streams. Et là, je vois rien du tout. Enfin, rien du tout. Je vois mes streams passer, mais je vois pas l'enregistrement d'il y a quelques instants. Et là, je commence à me décomposer. Et puis finalement, je regardais avec un gestionnaire de fichiers graphiques, hein, le gestionnaire de fichiers de GNOME. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je vais regarder dans la configuration d'OBS. Ouais, c'est bon, je suis bien dans le bon répertoire, c'est bien dans le bon répertoire que ça enregistre. J'attrape un terminal, ls-hlrt dans le répertoire qui va bien. Et là, je vois les fichiers. Donc je reviens sur mon environnement, sur l'explorateur de fichiers graphiques, et puis clic-clic, et puis... Ah bah oui, c'est que j'avais pas mis l'affichage dans le bon ordre. Ah tiens, là je vois mes fichiers. Allez hop, ouvrir avec VLC, paf, et j'ai mon exemple qui fonctionne. Ok, c'est bon. L'enregistrement fonctionne, pas de galère de driver, de flatpak ou d'autre, pas de soucis, c'est parti. Salut à toi KF35, bon courage pour ta bagarre avec le Switch 10G, j'espère que tu vas gagner. En parlant de gagner, alors non, je n'ai rien à faire gagner aujourd'hui sur le live, mais mes CPL, vous savez pourquoi je les ai dans les mains? Je les ai dans les mains parce que j'en ai des nouveaux. J'en ai des nouveaux. Donc ceux-ci, pour le moment, bah, ils traînent sur le bureau. Et j'ai senti la différence. Alors c'est pas parfait non plus, mais ça passe de comment dire, ça passe de borderline utilisable pour streamer à on peut enfin être un petit peu plus confort. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais ça dépanne déjà mieux
que ça. Ça, ça dépannait tout juste. Et là, ça dépanne mieux. Alors, pour information, ça, ce sont des TP-Link. Alors, c'est des vieux, hein, c'est des AV500+, qui sont donnés pour, je vous le mets devant là, c'est donné pour 500 mégabits par seconde. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, si je prends une multiprise et que je les mets les deux l'un à côté de l'autre, et que je branche un ordinateur de chaque côté, et que je fais un hyperf entre les deux, j'ai 230 mégabits par seconde. TCP ou UDP, hein, en mode full blast 0 limitation. Ça, c'est voilà, la pratique avec ces deux-là. Donc, on divise quand même par deux par rapport à la théorie. Et ça, c'est dans le cas de figure idéal. Et dans le cas de figure où j'étais, c'est-à-dire avec un premier modèle sous le bureau et un deuxième modèle vers la box, je me retrouvais avec, je crois qu'on était à quelque chose comme 50 mégabits par seconde. 50, 60, le vent dans le dos. Et je sais que si jamais je déplaçais celui qui est sous le bureau, que j'allais le mettre genre par là-bas, là, à la prise qui est justement reliée à cette lampe, et ben figurez-vous que je passais à 80 mégabits par seconde, ce qui était quand même déjà beaucoup plus sympa. Et donc, je me suis procuré des modèles beaucoup plus récents, alors toujours chez la même marque, parce que globalement, j'en suis satisfait, qui sont donnés, en théorie, pour 2000 mégabits par seconde. Sachant que pour ce débit-là, pour atteindre ce débit-là, il faut un truc qu'ils appellent du MIMO, et il y a non pas un, mais deux prises Ethernet dessus. Donc je m'attendais pas à des miracles non plus, parce que bon, bah, je ne maîtrise pas le câblage électrique qui a été fait dans l'appartement avant moi. Et donc j'ai refait mon cas de figure idéal, c'est-à-dire mes deux ordinateurs, la même multiprise. On fait un hyperf entre les deux et j'étais dans le cas donc dans ce cas de figure qui était quand même un peu idéal, j'étais à 450 mégabits par seconde. Donc même là, même dans ce cas de figure là où vraiment les deux CPL sont littéralement l'un à côté de l'autre sur une même multiprise, donc en termes de distance et normalement en termes de réseau électrique, il ne devrait pas y avoir vraiment d'interférence. Je me suis quand même retrouvé avec quand même une sacrée différence entre la théorie et la pratique. Et une fois que je les ai branchés en lieu et place des CPL que j'avais dans mes mains il y a un instant, je me suis retrouvé à, je crois, entre 120-130 mégabits par seconde. Ce qui fait que on se retrouve avec un débit qui est largement suffisant, non seulement pour streamer, mais aussi pouvoir faire des téléchargements un petit peu corrects, si jamais j'ai besoin de passer des mises à jour sur une VM pendant un stream, normalement je vais pas transpirer. Ça devrait bien se passer. Donc ça c'est la petite nouveauté qui devrait quand même faire du bien sur les lives. J'ose espérer que depuis que j'étais en CPL, il n'y avait pas eu trop de soucis. Enfin moi vous m'avez pas trop dit. J'ai pas eu de soucis, enfin, en tout cas, vous m'avez pas fait de retour comme quoi il y avait des difficultés, notamment de transmission d'image. Bon, il y avait eu des blagues sur le son, ça arrive. Mais, et encore une fois, hein, les blagues sur le son il y a deux semaines, c'était aussi surtout mon nez. Et là, honnêtement, le rhume est parti, fort heureusement. Bien, bien, bien. Donc, ça, c'était les petites nouveautés. On va pouvoir repartir de bon pied sur le sujet qui nous importe, c'est-à-dire déployer de la Debian. En veux-tu, en voilà. On va aller se mettre dans le répertoire du Debian. Hop. Voilà.
Oui, la base code NG. Hop là. Oui, puis en plus, il y a des trucs qui sont pas commutés. Donc, on se met. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Et puis, on va jeter un œil. Je crois que je peux pouvoir faire un RM. Ah, il y a des choses. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait des cochons stés avec le. Tac. Ok, là on est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme modif? Parce que j'ai un peu la mémoire qui flanche moi depuis 15 jours. Ah ok, oui. Donc ça j'avais commenté ça, j'avais mis ça. Ah oui, ça y est, ça me revient. On s'était rendu compte qu'il y avait un souci. Il y avait une blague. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, l'idée, ça va être de... J'avais carrément viré l'adresse IP. Ah, si, en dessous, il y a un adressive. Alors pourquoi celui-là? Ah, c'est juste le... ok. C'est juste le padding, a priori. Ok, donc, ça me revient, là aussi, un peu de formatage, ça aussi, d'accord, on reste sur, ok, formatage aussi, pourquoi je l'ai deux fois ce truc? On me l'abnode des metadata. Ah bah oui, forcément, les metadata. Ouais, ok. D'accord. Ok. Donc, et le souci qu'on avait, en fait, c'est que il y avait la mise à jour des adresses MAC au niveau du... au niveau de l'hyperviseur. Parce que si je fais un sudo vir sh... c'est quoi? C'est net-dump.xml. Qui doit s'appeler homelab-main. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de... comment dire? En fait, ça, c'est la définition libvirt du réseau virtuel, de mon homelab. Et on voit que on a un range DHCP qui démarre à 2 et qui finit à 254. Et que là, on a les nodes entre guillemets historiques. Tiens, d'ailleurs, le node 0, je devrais peut-être le faire sauter. Mais on a surtout nos homelab control. Puisque l'idée, en fait, c'est que les VM que j'essaye de déployer, à terme, c'est pour plusieurs choses. Mais entre autres, des futurs streams sur Kubernetes. Donc, je vais vouloir déployer mes control planes. Et je vais vouloir déployer aussi mes worker nodes. Donc, pour le moment, on a des adresses MAC que j'avais tendance à laisser bouger. Sauf que on se retrouvait avec une IP qui n'était pas la bonne, puisque y avait du entre guillemets, il y avait du lag. Est-ce que je peux faire un net edit comme ça en live sur mon lab? Hey, parfait, vous êtes à l'heure les mecs, nickel. Alors bravo Chaos, merci. Merci beaucoup pour le follow, Adrien Learn, merci, c'est très gentil à toi. Hop là, voilà. J'ai droit au texte là-haut avant la notif là-bas. Et ben on va faire le petit shootout qui va bien à l'ami Chaos. Chaos par petit, voilà. Que je vous invite à aller follow si c'est pas déjà le cas. Eh bien, guest what, bien le bonjour à toi aussi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon live chez Chaos. Et j'espère que tu en passeras un aussi ici. Qu'est-ce que vous faisiez de beau d'ailleurs chez Chaos, hein? Généralement, c'est jeu ou cyber.
C'est pile ou face, jeu ou cyber? Je vais dire cyber. Allez, vous faisiez de la cybersécurité, genre un petit CTF. Petit live hacking comme on les aime. Eh! Bien vu, ouais. Ah, je suis content quand je devine bien. Ok, très bien. Alors, pour celles et ceux qui viennent de chez Chaos et qui me découvrent, je pense qu'avec le temps, ça va arriver de moins en moins, mais au cas où, petite présentation. Vous êtes ici chez Nils. On fait plutôt de l'admin 6, admin 6 à admin réseau, orienté, orienté on va dire, parfois DevOps. Et là, en fait, on est en train de faire un peu d'infrastructure as code. L'idée, c'est de déployer de façon automatisée de la machine virtuelle sous Debian. En tout cas, les machines virtuelles sont sous Debian. En utilisant Terraform sur un serveur physique qui fait donc office d'hyperviseur, qui n'est pas sous un truc genre. Comment dire? C'est un Linux avec un hyperviseur, entre guillemets, à la mano, même si bon, j'ai quand même un peu automatisé l'install. Et c'est du libvir, grosso modo. Donc pas de Proxmox, pas de VMware, de Nutanix ou de XCP, ça reste un truc assez, assez roots, on va dire, mais un minimum automatisable. Voili, voilou pour le résumé de ce qu'on va faire. Salut à toi aussi, InsGAD5, bienvenue. Alors, ouais, quand je dis un hyperviseur, c'est-à-dire une solution de virtualisation. Et Terraform, en fait, c'est un produit d'une entreprise qui s'appelle HashiCorp, qui permet en fait d'automatiser le déploiement de ressources sur une plateforme. Tu remarqueras que je suis assez générique dans ma définition parce qu'en fait, avec Terraform, tu peux par exemple déployer une plateforme entière sur un cloud public, donc de l'Azure, de la AWS ou du Google Cloud. Et donc tu peux déployer une plateforme entière. Et quand je dis une plateforme entière, c'est pas seulement de la VM avec des réseaux, avec comment dire, par exemple du firewall, enfin du firewall, de la, ce qu'on pourrait dire des ACL entre les différents réseaux et les différentes VM. Mais tu vas aussi, selon les produits qui sont disponibles sur ce cloud public, bah, déployer ces trucs-là. Donc tu peux par exemple déployer du S3 sur AWS comme du GCS chez Google, ou tu peux déployer leur solution de WAF ou de CDN par exemple grâce à Terraform. Et en gros, à l'aide de ce qu'on appelle un provider. Sur Terraform, qui est une sorte de, on va dire, de plugin qui permet de gérer justement différents fournisseurs de services, et ben tu peux comme ça gérer potentiellement des nouvelles choses. Et donc j'ai un code Terraform qui me permet de s'interfacer avec Libvirt, qui est donc la couche d'abstraction pour QEMU KVM sous Linux. De façon à créer des ensembles de machines virtuelles. Donc en fait, là, quand j'ai regardé, là, tu vois, j'ai fait une commande qui m'affiche le contenu de mon fichier de configuration de réseau de Libvirt, et tu vois des entrées avec des adresses MAC, des noms et des IP, je ne l'ai absolument pas rentré à la main. Ça s'est mis automatiquement quand j'ai dit à Terraform, vas-y, déploie-moi des VM. Enfin, j'ai été un peu plus que ça, j'ai dit à Terraform, déploie-moi des VM, déploie-moi du réseau, déploie-moi du stockage. Voilà. Donc si jamais c'est pas encore tout à fait clair, je peux essayer de clarifier, hein, Adrien, il n'y a pas de problème. Bien souvent, selon les sujets que j'aborde, il m'arrive d'apprendre en même temps que tout le monde, hein. Typiquement, j'envisage de refaire des lives Kubernetes, mais il y a des chances que j'apprenne en même temps que tout le monde. Il y a de fortes chances que j'apprenne en même temps que tout le monde. Donc oui, c'est parce que j'ai fait un peu le bourrin sur mon install et j'ai pas installé VI. Si je fais un editor égale vim, ça devrait passer. Sauf qu'il faut que je fasse un sudo avant, puisque sinon la variable d'environnement n'est pas prise en compte. Tac. Ah, mieux! Et donc en fait, la raison
parce que je voulais quand même éditer ça à la main pour partir sur des bases propres. Voilà. Est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Si je reviens ici, donc, si je vais dans le répertoire Terraform, je fais un Terraform plan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des horaires réguliers pour les lives ou c'est en fonction? Alors, je live habituellement les dimanches de 18h à 20h. Alors, j'ai tendance à être un petit peu à la bourre à 18h. Donc, compter entre 18h et 18h10. Si je démarre après 18h10, c'est que j'ai eu un petit pépin. Soit que j'ai passé trop de temps avec le toutou, soit que j'ai eu un petit souci technique. Parce qu'il sort du dessert. Alors, non, mais en l'occurrence, ça peut arriver que... Alors non, généralement, je fais pas de gros repas. Quoique, si, j'en avais fait un il y a 2 semaines. Je crois. Ouais, mais bon, il n'y avait pas eu de soucis. Donc non, généralement, pas de problème de sortir du dessert. Mais c'est quand même bien tenté, Marion. Manon, pardon. Oula, la boulette. Oh, la boulette. La boulette. Euh, 19 à ajouter, 1 à changer, 10 à destroy. Ça, c'est parce qu'il y a les autres VM d'avant. Ouais, les Homelab Node. Je crois que je faisais du targeting. Ouais, je faisais du targeting. Allez. Ça et qu'au lieu de faire un apply je fais un plan. Hop là. Est-ce que c'est mieux? Donc il me met, ah, j'ai peut-être on va lui dire de destroy, hein. Oui, parce que bien entendu Terraform ne fait pas que de l'application, il peut aussi faire de la destruction. Hop, ce qui veut dire que là, normalement, si je vais sur ma machine, que je fais un sudo virsh list, vous voyez que j'ai mes... j'ai ce qu'on appelle ma... J'ai entre guillemets envie de dire ma tête d'infra qui est là. Et ça, c'est les notes que j'avais utilisées pour d'autres lives. Je vous avoue que j'ai très envie de les désinguer. Mais alors Max, le provider, c'est pas un provider KVM, c'est un provider libvirt. Tiens, d'ailleurs je vais aller vous montrer le truc. Si je fais Terraform, hop là, libvirt provider, tac. De toute façon il y en a qu'un, hein, en open source. Et d'ailleurs je vais en profiter aussi pour aller sur GitHub. Tac, voilà, et c'est le labascode ng normalement. Tac, voilà. Donc le provider libvirt pour Terraform, c'est celui-là. Vous pouvez aller voir d'ailleurs le où est-ce qu'il y a un report sur GitHub. Paf. Là, mais en gros voilà, il a son projet sur GitHub. Et a priori, le projet est encore bien vivant, hein. Bon, la dernière release, techniquement, elle date de novembre. Mais on peut voir que... alors bon, sur Master, les derniers commits sont pas non plus ultra récents. Mais il y a quand même des branches. Il y a un network V2 parce que visiblement, il veut refaire un peu la stack réseau. Il y a des issues, il y a des pull requests, il y a des trucs régulièrement. Il y a de l'activité quand même, hein. C'est pas non plus tous les jours. À mon avis, le gars doit faire ça sur son temps libre. En tout cas, le responsable du projet. Après, il n'est pas tout seul, hein. Si je reviens ici, vous voyez, il y a une centaine de contributeurs. Duncan McVicar. Voilà. Donc, c'est assez... honnêtement, c'est assez sympa ce qu'il fait, hein, comme taf. Ça marche globalement bien. Et sinon...
Et merci beaucoup pour le follow, le Doubil. Merci à toi, c'est très gentil. Merci. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai, hop, je vous le mets aussi ici. Et ben, en fait, si vous avez envie d'essayer de mettre en place la même chose, je vous propose le repo en open source. C'est juste que j'ai pas encore committé les modifs là pour les Debian, mais une fois qu'on aura fini, bien entendu, ce sera committé. D'ailleurs, pour l'instant, c'est dans une branche. Hein, vous avez, il y a un Debian Nodes qui est là pour ça. Donc, si je reviens ici et que je refais un Terraform plan, hop là. D'ailleurs, ça me fait penser que si jamais vous voulez voir le reste de mes repos, puisque j'ai quand même quelques dépôts avec divers codes, vous pouvez aller sur ma page GitHub, hein, sur github.com/hpnils. Et si jamais vous voulez voir d'autres sujets, que vous voulez rejoindre le Discord ou ce genre de choses, ben en fait c'est très simple. Voilà, vous pouvez retrouver la liste de tous les réseaux sociaux. On va mettre GitHub dans la liste des réseaux sociaux. Et vous avez tout ça sur ma page perso. Normal, je te suis depuis YouTube et Discord. Ah, ça c'est gentil, merci beaucoup. Ça c'est gentil. Bon, alors, est-ce que... Tac, tac, tac. Donc normalement, maintenant la MAC adresse elle va être mince. Elle est normalement la même à chaque fois. Il y a la bonne IP. Donc je vais faire un petit apply et on va espérer que hop là. Terraform. Hop. On va faire un apply et on va espérer que ça passe. Allez, yes. Erreur. There is an existing DHCP host entry in network home lab main that matches. Ah. Bah non. Dans le projet Terraform. Quel projet Terraform, Max? Le provider Libvirt? Dans le mien? Ouais, il y a des trucs. Il y a des trucs. Il y a au moins 8 VM. Alors après, les HomeLab nodes quelque chose, ça, c'est pas du... entre guillemets, c'est pas du obligatoire. La tête d'infra, c'est surtout ces 3 VM-là. Plus, potentiellement... une quatrième VM qui n'est pas dans le qui n'est pas sur la machine mais qui est sur internet pour pouvoir monter un tunnel WireGuard et sortir sur internet via ce tunnel WireGuard. Est-ce que je peux faire un ah, je suis tenté de vouloir rebooter le truc, c'est un peu moche. Ouais, vu que j'ai fait la modif à l'arrache, il a pas aimé en fait. Est-ce que je peux faire un Terraform refresh? Non, il me la refait aussi. Il me dit, il n'y a rien. Un taint. Pour le coup, je maîtrise pas le taint. Pour le coup, il faudra que tu me donnes un petit coup de main. Mark, resource instance has not fully functional. Ok. Donc si je fais taint comme ça, ça marche. Non. Ah d'accord, il va rebuild le truc que je taille. Ah oui d'accord, donc en fait il faut que je lui dise que ça va être ce truc là.
Ah, si je comprends bien. Non. Ok, pourtant c'est sur celle-là qu'il est pas content. Si je reprends, quand je cherche à apply, je vais refaire un destroy juste par acquis de conscience. Si je fais un plan, mais sans les... Je vais tenter un apply, mais un apply fully... parce que de toute façon, les VM sur les nodes, là, je m'en moque un peu. Donc à la limite, qu'il me les foire, qu'elles soient pas fonctionnelles, c'est pas grave. C'est pas très grave du tout. On va faire ça. On va tenter un apply global et puis on verra ce que ça donne. Je suspecte que ce soit ça en fait. Il doit lui manquer un... Il doit lui manquer un truc dans les dans le targeting. Parce que les VM sont toujours là pour le moment. Ah, et il me refait des erreurs parce que... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait j'ai fait sauter les trucs et ça, il aime pas. Il aime pas du tout. Il aime pas du tout. Parce qu'en fait j'ai fait un net edit, mais finalement j'ai pas appliqué la conf. Si je refais un net de XML... Elles sont là. Et si je refais un vire sh netedit, elles n'y sont pas. Donc en fait, c'est que j'ai édité la config, mais je ne l'ai pas. C'est ça, not change. Et le truc, c'est que si je fais un net destroy du réseau, il va me dire d'aller me faire voir. Ah non, il l'a fait. Ok, là on est bon. La moralité, c'est qu'il faut éviter les trucs à la main quand on fait du terraform. Alors, pendant ce temps. Ça, à la limite, les Homelab Nodes, je m'en moque un peu. Hein. C'est pas sur ça qu'on bosse aujourd'hui. De toute façon, j'ai fini mes lives. Hein. Et s'il faut que je recrée les VM, bon. Voilà, là, il m'a fait un apply complete. Ok.
Et si je reviens ici et que je refais un petit net dump XML, cette fois-ci, j'ai bien mes trois homelab control. Et si je vais là, j'ai bien mes trois homelab control, mes quatre homelab control même. 4, je lui ai dit d'en faire 4. Bah oui, il y en a 4. C'est ça, de nombreux son browser à modifier le state à la main et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là, j'ai toutes mes VM. Et si je regarde le contrôle 20. Ah, il y a un cloud init. Si je regarde le 21 ici, par exemple, tac, console série. Hop, et on a encore aussi le... Et a priori, il serait en 21. Il serait en 21 d'après Lidvirt, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui est plutôt très bon signe. Mais je crois me rappeler que la raison pour laquelle j'avais voulu le faire à la main, c'est parce que on avait vu que en cas de destruction de VM, le souci qu'on avait, c'était que la config libvirt n'était pas retirée, la partie réseau. Donc, c'est un peu ennuyeux. Par contre, là, qu'ils me disent qu'ils n'arrivent pas à résoudre le réseau, enfin, résoudre au niveau réseau, le DNS, ça m'embête un peu. Il y a un souci. Donc, il a la bonne IP, il a le bon mast. Il a une route qui passe par le point 2, donc ça, c'est bon. ETC resolve.conf, il y a le point 3, donc ça, normalement, c'est censé être bon aussi. Si je fais un ping de ça, ah ça ne ping pas, c'est ennuyeux. Ça ping pas non plus, c'est ennuyeux. Je pense que c'est parce que comme j'ai détruit puis recréé le réseau, je pense que le reste des VM n'est plus joignable. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un destroy de ma partie control plane et je vais rebooter mon home lab. Et je vais redémarrer mes... remarque, je peux peut-être juste tout shut. Donc rebooter carrément l'hyperviseur. Je vais faire ça, je vais shut toute la tête d'infra. Et installer OpenStack, ça marche. Ouais, alors OpenStack, on en aurait pour des semaines et des semaines, je pense. Enfin, j'ai jamais essayé, pour être. Tac. Allez, on va revenir ici. Il était mon destroy, c'était celui-là. Donc il faut que je fasse 0, 1 et 2 finalement. Allez. Je détruis ça. Hop, 2 et 3, je crois aussi. Voilà. Donc là, normalement, voilà, c'est ça. Il n'y a plus de contrôle du tout. Je vais en profiter tout de suite pour aller dans le homelab control.tf. Je crois que j'avais un count quelque part.
var control quantity. Ouais, c'est ça. Allez. Variable. Default 4. On va mettre default 1. Tac. Donc là, si je retente un terraform. Non. Normalement, il veut m'ajouter control. Et qu'est-ce qu'il a? Il a les homelab node. Ouais, ok, bon. Ok. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et alors, j'ai un petit script sympathique qui s'appelle runlab. Pareil, c'est dispo dans mon... En gros, c'est un petit script qui s'interface avec un libvirt et qui dit... Et on peut lui donner en fait en configuration des réseaux virtuels et des machines virtuelles, des domaines, et lui dire quand tu fais un runlab-s, tu démarres tout ça, quand tu fais un runlab-k, tu éteins tout ça. Alors, est-ce que... Et on remarquera que en fait, quand je lui donne... quand je lui dis de faire un run lab, de démarrer ou de d'éteindre, en fait, il va allumer d'abord le réseau, puis démarrer les machines virtuelles dans l'ordre dans lequel on l'a mis. Et quand il va éteindre, en fait, il va prendre cet ordre, il va l'inverser, pour que la première machine qu'on éteigne, en fait, c'est la dernière qu'on démarre. Et du coup, la dernière qu'on éteint, c'est la première qu'on démarre. Comme ça, on peut avoir un mécanisme quelque part de dépendance entre les VM si nécessaire. Et bien entendu, les réseaux virtuels, il les démarre en premier et il les éteint en dernier. Donc là, forcément, il coupe la machine de test d'abord. J'ai un proxy, j'ai un PyAll. Le truc all, c'est en fait c'est un PyAll, c'est un DNS. Et le homelab out, c'est la gateway. Donc là, sudo virsh list, j'ai plus rien qui tourne. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors c'est un script qui est relativement simple parce qu'effectivement, il démarre tout en séquentiel. On pourrait se dire que certaines machines pourraient être démarrées en parallèle. Typiquement là, mes nodes 10 à 19, ils pourraient être démarrés en parallèle, ça pose pas de problème. Mais c'est une complexité que je n'ai pas voulu implémenter. Il y a encore une VM ou deux qui veut me... Bon, bah écoute, on va les mettre. Hop, allez. Éventuellement, ce que je vais faire avant... Homelab-test. Ok, donc déjà, tu vas sur Internet. Et tu résous. Ok, cool. Et ben, on replanifie. Hop, et on applique. Roulement de tambour ou pas? Bon, non, on va pas s'embêter, hein. C'est pas non plus... Là, y a pas encore du suspense à fond. Je suis en train d'envisager de vouloir mettre un count à 0 sur les homelab nodes, comme ça il me les destroy et il m'embête plus avec. Je pense que je vais faire ça. Donc là j'ai mon homelab control 20, parfait. Et a priori il me fait des gets, donc on est bon. Donc c'était ça. C'est que donc j'avais fait mes modifs de quand j'ai restart mon réseau, forcément les VM j'aurais dû les rebooter aussi. Et bah voilà. On apprend. Je me demande si j'avais pas déjà été confronté au souci.
il y a longtemps. Visiblement, il y a très longtemps, puisque je m'en rappelais plus. Preparing to unpack. Oui, parce qu'il passe les mises à jour. Mais je crois que je lui avais demandé de m'installer. Oui, un noyau cloud. C'est bon, on a un noyau cloud. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si on voit le cloud init qui se déclenche. Hop, là, les clés SSH route. Bon, ça c'est les fingerprints, donc ça va, il n'y a pas. De toute façon, alors pour information, notamment en particulier pour les, pour celles et ceux qui sont arrivés et qui connaissaient pas le live, je pense à celles et ceux qui sont arrivés par le raid de Chaos, que je remercie de nouveau. Bien souvent, si vous voyez, ça peut arriver que dans le code Terraform ou dans les cloud init ou ailleurs, vous verrez que de temps en temps il y a des mots de passe en clair. Généralement c'est même password le mot de passe, et c'est absolument volontaire pour parce que de toute façon vous n'avez pas accès aux machines en shell, mais voilà, sachant que c'est du lab, il n'y a rien qui tourne à 24. La machine après le live, généralement je l'éteins. Donc, enfin, d'un point de vue strictement cybersécu, les seuls moments où vous pouvez poncer les machines, c'est pendant les lives. À moins que je laisse faire volontairement, il n'y a pas de raison que vous puissiez y accéder. Donc, ça a toujours été, je mets password partout. Il y a même dans mon ancienne itération du Home Lab, j'avais même laissé traîner, je crois, des clés SSH. C'est pour vous dire. Des clés SSH, que je sois très clair, que j'avais volontairement généré pour l'occasion. Hein. Pas mes clés privées perso, hein. Faut pas déconner. Hein. Je suis pas. Pourquoi il y avait password? À mon avis, le login, j'avais dû le faire entrer. Allez. Tac. Donc là, il a bien l'IP en 20, et ça, c'est cool. Donc ça fonctionne. Si je tente un linuxaffaires.org, ça fonctionne aussi. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bien entendu, là, on est encore sur l'ancien noyau. Il est même pas en mode cloud, donc il faudrait redémarrer la machine. Ça, à la limite, c'est pas un problème. Donc, finalement, il est pas trop pourri. Enfin, il est pas trop pourri. Il est fonctionnel. C'est quoi le mode cloud? Alors, sous Debian, tu as un kernel qui s'appelle le kernel cloud, qui en fait est un kernel allégé pour pouvoir tourner sur notamment des clouds publics et en machine virtuelle de façon générale. C'est un kernel qui est intéressant parce que il a donc moins d'options d'activer, donc en théorie c'est plus léger, et de facto, comme tu as moins d'options d'activer, ça veut aussi dire que d'un point de vue cybersécu, tu réduis la surface d'attaque. Alors, j'ai pas d'exemple précis du genre le kernel cloud t'empêche certaines vulnérabilités, mais de façon générale, ça t'enlève principalement des drivers. Typiquement, si je vais dans Stash Boot par exemple, tu vois que peut-être pas le système map, mais le config, tiens, le fichier de configuration du noyau, tu vois, il est deux fois plus petit. Et je crois, je veux pas te dire de bêtises, hein, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie, mais je crois que de fait, le kernel cloud t'empêche de tourner en mode graphique, par exemple. Donc si tu veux te monter une VM bureautique, par exemple, vaut mieux que tu restes sur le kernel classique.
Mais par contre, si tu fais tourner un serveur web, tu as tout intérêt à mettre le kernel cloud. Et tu le vois, hein, le fichier du kernel. Alors là, c'est marrant parce qu'il fait 14 mégas au lieu de 7,8. C'est bizarre. Le kernel en soi. Mais par contre, l'initRD fait moitié moins. Alors, est-ce qu'il serait juste pas compressé? BZ image. BZ image aussi. Ok, donc en fait, il doit y avoir plus d'éléments dans le noyau cloud qui sont intégrés directement dans le noyau plutôt que dans l'initRD. Donc en module, quoi. Je sais pas si tout le monde le voit. En fait, le noyau Linux, quand on configure, si jamais vous recompilez un jour un noyau Linux, c'est à faire au moins une fois dans sa vie pour comprendre. En fait, les fonctionnalités du noyau, elles ont trois états possibles. Elles peuvent être désactivées. Dans ce cas-là, la fonctionnalité n'est pas compilée, elle n'est pas disponible. Imaginons, je ne sais pas moi, la fonctionnalité de gérer les disques durs NVMe, par exemple. Eh bien, on peut très bien ne pas la compiler parce que notre système n'a pas de disque de SSD NVMe. Donc, on s'en fiche. On ne le compile pas. On peut le mettre en module, c'est-à-dire qu'il faut que le système d'exploitation, le noyau, soit démarré et qu'il charge le module, ce qui veut dire qu'on peut, par exemple, si on ne démarre pas sur un SSD NVMe, mais qu'on a du NVMe, on peut très bien décider soit de ne pas activer le module, soit de l'activer. Si par exemple, je sais pas, alors, bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais supposons qu'on puisse faire du hot plug de NVMe, je doute que ça se fasse, mais je n'en ai pas la moindre idée en vrai. On pourrait envisager que le module soit déchargé tant qu'on n'en a pas besoin et chargé quand on en a besoin. J'aurais peut-être dû prendre des trucs de périphérique USB, ça aurait été plus pertinent pour le hot plug. Ou alors, on intègre directement la fonctionnalité dans le noyau. Donc en fait, quand on configure le noyau, c'est N pour dire non, M pour dire module. Et quand on intègre directement au noyau, on fait Y, donc yes. Et là, à ce moment-là, quand on compile le noyau, eh bien, la fonctionnalité est directement intégrée au noyau, ce qui fait que le fichier du noyau est, lui, un peu plus gros, mais les fonctionnalités sont disponibles dès le démarrage. Comme par exemple... Bah, si je vous parle d'un SSD NVMe, c'est parce que dans ce cas-là, vous pouvez carrément démarrer sur un SSD NVMe. On peut même jeter un exemple viteuf, hein, j'en profite et après je vais saluer le raid qui vient d'arriver. Si je fais un petit, peut-être un petit let's sur le fichier de config qui est là, hop, on va peut-être laisser un espace quand même, tac. Et là, vous voyez, il y a des Y. Alors des fois, il y a des options pour certains trucs, mais on a des Y. Des fois, on va avoir des is not set. Ça, c'est plutôt pour dire, bah non, ça ne l'a pas été mis. Et vous avez des fois des Y. Donc, ça peut s'avérer intéressant. Et merci énormément aux raiders, donc, qui viennent d'arriver. Merci, Rancune, pour ton raid. On va en profiter pour faire tout de suite un shootout à l'ami Rancune. Hop. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je suis pas passé voir Rancune. Honte à moi, je vais me fouetter, je vais m'auto-flageller. Rancune qui généralement fait de l'électronique, je sais pas exactement qu'est-ce que tu faisais ce soir, Rancune. N'hésite pas à nous le dire, histoire de faire ta pub pour celles et ceux qui étaient déjà là sur mon live. Et merci donc à E-Wright. Merci énormément pour le follow, ça fait très plaisir. Alors ici, on fait pas forcément de l'électronique, on fait plutôt du logiciel, entre guillemets. Alors je fais pas de programmation, je fais de l'administration système et réseau. Parfois orienté un peu DevOps, et là, en ce moment, on fait du déploiement automatisé de VM. Ouais, ça faisait longtemps, cet après-midi, Nostalgie et Auric Atmos. Oh là, oh bah, je t'en prie, ça me fait plaisir, c'est la moindre des choses. Tu me raides, je te shoot out. Je m'hydrate bien, je commence à être à sec. Il va falloir que je retourne au puits.
Donc voilà pour la petite anecdote sur le noyau, comment c'est fait. Et généralement, les packages de distrib Linux vont vous mettre dans /boot à côté de votre noyau et de votre init RD, vont vous mettre un fichier qui s'appelle config avec la version pour pouvoir. Et on peut même faire, je sais pas si la commande diff est là-dessus, si je l'ai installé. Ouais, on l'a. On peut faire un diff moins bu, moins color du config comme ça et du config cloud. Tac. Et là, vous voyez, il y a quand même masse de trucs qui sont en rouge avec un moins parce que en fait, tout un tas d'options ne sont pas mises. Puisque ben, Debian à la base, le noyau de base, Debian se veut être un système d'exploitation universel, donc vous allez trouver des trucs voilà, pour des trucs physiques USB dont on n'a pas besoin en machine virtuelle, en temps normal, voilà, config USB gadget. C'est quoi ce périphérique USB, ce contrôleur périphérique USB? Bon, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais voilà. Forcément, bah, tout ça c'est dégagé. Sinon, dans certains cas, oui, tout à fait. D'ailleurs, salut à toi, Cool Geek. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau week-end. Mais effectivement, on peut aller jeter un œil. On peut faire. Je peux faire. Je sais plus si je. Si je fais un Z4 directement. Je sais pas si j'ai le droit. Je crois pas en tant qu'utilisateur simple. Config.gz. Non, il l'a pas. Si je fais un sudo. Non plus. Paf. Je vois pas de config. Donc dans notre cas de figure, bizarrement, c'est vrai que le proc config.gz, ça me dit un truc, mais a priori, on ne l'a pas. Donc c'est pas non plus. Mais ça peut être une autre solution aussi pour voir la config du noyau. Autre truc par contre qu'on a dans /proc et qui peut parfois s'avérer pratique, c'est le /proc/cmdline qui vous indique notamment sur quel noyau vous avez démarré et quelles sont les options qui ont été passées au moment du démarrage. Maintenant que j'ai ma VM qui démarre, qui a sa bonne adresse IP, qui a son bail dans le DHCP. On va la rebooter. Et on va voir si ça démarre bien sur le noyau cloud. Et j'ai cru voir que oui. Et on va voir si elle garde l'IP. Et a priori, on le voit hein, tout de suite, voilà. Noyau cloud, et si jamais on n'a pas le prompt qui est affiché, hein, la commande uname avec un tiret qui peut être pratique. Merci beaucoup Manon d'être passé, il n'y a pas de souci. Bah écoute, bon repas, bon dîner avec les enfants. Merci encore de repasser, ça me fait très plaisir que tu sois de retour. Sur ton système, tu n'as pas de config dans le /boot, mais dans /proc/config.gz. Dans le /proc, c'est une option du noyau, alors que le /boot, c'est un choix du packager. Tout à fait. Je serais curieux de savoir quel distrib, si c'est pas un discret Cool Geek. Et puisqu'on a on a des Alpine et on a des... si je fais un Homelab out, voilà. Je fais plus ou moins... Allez, laisse-moi HL /boot. J'ai un fichier de config, a priori, mais si je fais un cat, si je fais un ls plutôt, de /proc, est-ce qu'on a un config.gz ou un truc? A priori, non. Non, je ne l'ai pas non plus. Donc, a priori, sur Alpine, l'option n'est pas activée non plus. Ah, t'es sous Arch, ok. Ok. Ah, mais oui. Mais aussi Arch, c'est comme les.
n'allez pas non plus troller trop fort. Hein. Ce que je voulais faire aussi, si je me rappelle bien, HomeLab Node. Ouais, j'ai un Node Quantity, donc je peux... Variable, je vais carrément... Alors, contrôle offset, je m'en fous. C'est le Node Quantity. On va mettre à 0. Donc si je refais un Terraform, là, normalement, il va tout me désinguer. Voilà. Allez, on applique. Comme ça, moi, je serai tranquille. Je dirais juste que Arc fait comme il faut, car c'est intégré au noyau. Chacun son confort. LFS dit que le fichier de conf va dans slash boot. Oh, écoutez, on sait que les deux existent, et après, j'ai envie de dire, c'est selon... Parce que finalement, quand CoolGeek dit que le slash boot, c'est un choix du packager, quelque part, le slash proc slash config.gz, ça devient aussi un choix du packager, parce que, enfin, du packager, de l'entité qui fait le package, donc en gros, de la distribution, parce que la distribution choisit d'avoir slash proc ou dans slash boot. Après, si jamais vous créez vous-même votre noyau customisé, ce qui est pas interdit dans l'absolu, à ce moment-là, c'est vous qui décidez. Ça m'est arrivé de créer des packages kernel dans une ancienne vie, parce que l'entité ne voulait pas utiliser le noyau par défaut. Mais vu que c'est une option du noyau, c'est le choix officiel. C'est un choix possible quand tu configures ton noyau. Est-ce que c'est le choix... Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un choix officiel, en fait? Parce que, ouais, c'est peut-être le choix officiel du noyau. Salut à toi, Cybermême. C'est peut-être le choix officiel du noyau, mais visiblement, peu de distributions utilisent ce moyen-là. Et les distributions vont plutôt aller poser leur fichier de config dans slash boot. Après, la question que je me pose... Tiens, d'ailleurs, on va aller revoir. Le fichier de config... Là, le fichier de config est accessible à tout le monde. Le fichier de config est accessible à tout le monde. Donc, on peut débattre de... je sais même pas s'il y a des droits particuliers sur slash proc slash config.gz. Tiens, CoolGeek, vu que tu as une arch et vu que tu as, toi, un fichier dans slash proc, quels sont les droits sur ton fichier config.gz? Est-ce que tout le monde a accès en lecture? Ou est-ce que seul root peut le lire? Ce genre de choses-là. Ah, donc il est en lecture. Mais il est en accès pour tout le monde. Il est en accès pour tout le monde. Donc finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison particulière. Après, ce que je me dis, c'est que l'option qui permet d'avoir le slash proc slash config.gz, je me demande de quand elle date et je me demande si de fait il n'y a pas une histoire de comment dire, d'historique. C'est-à-dire que les distribs, sauf Arch visiblement et peut-être d'autres, les distributions ont tendance à fournir un fichier qui correspond à la config du noyau packagé dans slash boot. Et c'est comme ça que tout le monde ou presque s'attend à le trouver, donc c'est comme ça que tout le monde ou presque le fait. C'est devenu une sorte de convention quelque part. Bon, bref. Finalement, mon
Mon contrôle 20, il est fonctionnel, il a la bonne IP. J'ai plus de nodes, normalement, j'ai que le contrôle. Voilà, donc ça, j'ai bien fait le ménage dans les VM. Si je rajoute... que j'ai des choses à rajouter dans ce truc-là. Non. Par contre, comme j'avais dit, l'idée à terme, c'est de faire du cube. Donc il va me falloir du control plane et il va me falloir du worker node. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est que déjà, je vais déployer dans mes variables. Je vais me mettre contrôle, je vais en mettre 3. Voilà. On va refaire un terraform planifié. C'est bon. Et on applique. Mais du coup, tu as build une VM avec des users d'attaque qui upgrade le noyau. Désolé, j'ai raté le début. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré les trucs. Alors attendez. Hop. Hop. Ça. C'est mon fichier CloudInit. Et mon fichier CloudInit, donc, il me crée un utilisateur. Il me crée des fichiers. Alors ça, du coup, on va pouvoir le virer. Cette partie réseau-là, tac. Ça, ça marchait pas. Donc, il n'y a pas de raison de le me remettre. J'ai un run CMD avec un petit apt get update. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis le upgrade. Je devrais peut-être. Et j'installe des packages. Donc à mon avis, il doit me passer des mises à jour à un moment. Peut-être parce que justement, j'installe des packages. Déjà, je vais déployer les contrôles en plus. Je vais créer les worker nodes. Et après, justement, on va toucher un petit peu plus au CloudInit parce que je voudrais... Que dès le déploiement des VM, certaines options, certaines actions soient mises en place. Et c'est des actions que je n'ai pas envie de mettre via un autre moyen d'automatisation, Ansible, pour pas le nommer. Mais donc effectivement, il y a bien un Linux-image-cloud-md64 dans les packages que j'installe via CloudInit. Ce qui me fait penser d'ailleurs. La raison pour laquelle tout ça c'est comme ça. C'est que l'un des trucs qui manque justement au kernel cloud, l'un des trucs qui est enlevé, c'est par exemple la prise en charge d'un pilote serial ATA. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de cette prise en charge de pilote serial ATA? Je vais y venir. Donc, comment, à votre avis, comment le fichier CloudInit est donné à manger à ma Debian? Bah justement, je viens de vous le dire. Via serial ATA. En fait, quand la machine virtuelle est déployée, on a... Est-ce que c'est le cas actuellement ou pas? Voilà, on a un CD-ROM, alors qu'il là est pas... ouais, d'ailleurs, tiens, il est sur bus IDE en plus, celui-là, il est même pas sur bus serial ATA. La VM est peut-être encore en... Donc, j'ai des trucs encore à modifier. Mais bref, vous voyez, la VM est en bus IDE. Enfin, elle est en bus IDE. Non, le CD-ROM est en bus IDE. Et donc, j'ai un fichier ISO qui est en fait généré à partir de mon fichier de... mon fichier de configuration CloudInit, en gros. Le provider Terraform, ou Terraform de façon générale, va en fait, à partir du fichier CloudInit, générer un fichier qui va mettre dans ce fichier ISO. Il va générer le fichier ISO avec le fichier CloudInit dedans, et il va le mettre dans le CD-ROM virtuel. Lequel CD-ROM virtuel a besoin d'un driver IDE ou serial ATA. Et à partir de là, en fait, il me faut un kernel standard pour pouvoir gérer l'IDE ou le serial ATA
et pouvoir accéder à ce fichier-là. Sinon, pas de Cloud Meet. Et vous allez me dire, bah ouais, c'est jusque-là tout va bien. Et ton image de VM a une image à un noyau standard. Mais c'est parce que l'image de VM que j'utilise, si je reviens lire mon HomeLab Control, non, c'est pas celui-là, ça va être le volume.tf. Non, ça va être dans le variable. Non, le volume.tf var. Var peut-être. Non, donc c'est dans le variable. Hop. Où j'ai ma source. Voilà, ma source Debian Image. En plus, justement, il y a un petit commentaire. Puisqu'en fait, j'utilise le Debian générique comme image. Et je n'utilise pas le Debian générique cloud. Qui normalement serait plus adapté. Puisque de toute façon, je suis en VM. Mais... mais comme j'ai pas le. Comme il manque un driver, et ben en fait il faudrait soit que le kernel cloud dispose d'un driver SATA, soit qu'on arrive à générer une image, ça pourrait être un disque virtuel en lecture seul, et qui soit accédé en Virtio par exemple. Dans l'immédiat, j'utilise ça. Ça pourrait être intéressant d'essayer un de ces quatre, de voir si je peux générer autre chose qu'une image ISO. Je ne sais pas si Terraform le permet. Voilà pour la petite histoire. Donc, je vais revérifier mon HomeLab node. Remarquez, du coup, je vais rester sur un seul node. Pour le moment, contrôle quantity, pour l'instant j'en veux qu'un. Si je fais un terraform, hop, non, il va me dire que tout est bon. Voilà. Et on va aller revoir ça. Et pourquoi? Parce que. Bah, pourtant si la VM est en UEFI, pourquoi il est en IDE alors ce fichu Biniou? La machine est bien en UEFI. J'ai bien une machine en PC Q35. J'ai bien un XSLT. Alors pourquoi il me dit bus IDE? Si je reviens ici. Je vous rassure, c'est juste pour le lire. Oh, tu m'embêtes. Ah non, tiens, la machine est dans PCI 440 FX. Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. La machine est en PCI 440FX alors que ma ressource dit tu me fais un PC Q35. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ça explique que le disque soit en IDE. C'est chelou cette affaire.
alors je vais regarder le truc hein, mais tiens, je vais essayer de déployer de redéployer un les nodes là que j'avais fait les nodes si je veux en déployer un home lab node variable aussi tac donc le home lab node si je vérifie user data il est bien en PCQ35 aussi j'ai bien un firmware tac 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 ok soit. Je vais revenir ici. Ok, donc si c'est ajouté, il me fait un lab node, un lab control. Ok. Et j'ai bien mon XML, mon XSLT pour le SATA. Ok. Pour l'UEFI, voilà. J'ai bien mon NVRAM. Il la démarre bien PCQ35. Bus IDE encore, où ça? Ah, disk QZI false. CPU. Attends, ça c'est le home lab node. Firmware, ok. ID, machine, memory, name, QEMU, agent, running, type, ok. Console, CPU, disque, graphics, network, NVRAM. J'ai un truc XML. Ça c'est quoi ce volume? Ça c'est la VM. Node, vol. Code, ça aussi c'est la VM. Dev SDB, bus SATA. Network graphique. Tac tac tac. Tac tac tac. Et ça ce sont les cloud units. Ok. Oh bah vas-y, je vais apply, on va bien voir. Hein. Ici, dans SATA CD-ROM. J'ai pas saisi, Max. Alors, j'ai peut-être loupé un truc dans mes configs. Est-ce que il me manquerait pas une option que j'aurais peut-être dégagée ou... Ok, il l'a apply. Et ben on va aller voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Mon node 10, il a quoi? Il est bien en UEFI. Ok. Le bus est bien en SATA. Ça c'est bon.
Donc lui, il est bon. Et si je reviens ici et que je reprends le control plane, PC i440FX. Micro-logiciel BIOS. Et donc bus IDE. Donc j'ai dû louper un truc. J'ai dû louper un truc. Oui, effectivement, j'ai loupé un truc. Je ne l'ai pas activé. Je ne l'ai pas activé, effectivement. Allez, c'est normal. C'est normal. Allez. Donc, si je reviens sur le HomeLab Node et que je prends tout ça, en gros, il va me falloir. C'est dans la ressource libvirt domain. Voilà. Et là, il me manque bien les infos. C'est normal. C'est logique. C'est logique. Donc, il me faut ça, la NVRAM, et je les mets avant le name. Là, sauf que ça va pas s'appeler HomeLab Node, mais HomeLab contrôle. Et là, on devrait être mieux. Là, on devrait être mieux. Tac. Oui, j'apply direct, hein, je plane pas. Paf, paf, paf. Alors, est-ce qu'il me crée bien un cloud init? Ok, HomeLab contrôle. Tiens, d'ailleurs, il y a... Ça, c'est pas normal. Hop. Et on a dit user data. C'est bizarre, je pensais l'avoir effacé. Ah, remarque, je l'ai peut-être pas enregistré. Voilà. Allez, finalement, on annule. On va refaire un plan. Finalement, on vaut mieux planifier. On repart. Donc là, j'ai bien mon fichier cloud init. Mon libvirt. Tac, cloud init, emulator, firmware. Tac, tac, tac. Comment ça, opt comme CoreOS config? J'ai fait une bêtise. Ça c'est le node user share au VMF. Là, donc, bon, ok, soit. On va voir si ça passe. Hein. Tac tac tac, contrôle. Donc on a bien une machine PCQ35 8.1. Là c'est spécifié. Ah, par contre, il me fait un replace du HomeLab Node. Tiens, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ah, si, je sais, je crois que je sais. Je sais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser à zéro sur le. Sur le node. Hop, allez. Et je verrai ça après. Voilà, il va me détruire les. Et on apply. Il va me détruire le node Fedora pendant que il me refait le node de Debian. Et il est pas content parce que IDE controllers are unsupported for this QEMU binary or machine type. D'accord, donc il me manque encore une conf. Alors, il me manque encore une conf et.
À quel moment est-ce que j'ai pu lui dire que c'était du SATA? Non. Parce que là, je lui ai bien mis... Ah oui, c'est parce que je lui ai pas mis. Ok. Tac. Voilà, je lui ai pas mis. Hop, ici. Voilà. On va espérer que ça se passe mieux cette fois-ci. Et ben voilà. Pas complete. Oh, ça allait vite. Remarque, mais il a peut-être déjà destroy le Binyu. Donc voilà, j'ai juste le contrôle. Et on est en PCQ35 en UEFI. Ça, c'est chouette. On a bien un bus SATA pour mon image ISO. Voilà, ça c'est bien. Et si je refais... Et là par contre, il me refait un replace. Alors qu'est-ce qu'il veut me changer? C'est ça aussi qui m'interpelle. Et hop, on n'a rien vu. Alors, je me demande si j'ai pas si j'ai pas un truc dans le vent sur une anti-sèche quelque part. Alors, donc, ah, il me manque un truc en fait. Il me manque un truc a priori. Donc on va la je pense qu'on va la destroy ou la recréer parce que en fait, a priori. Il faut rajouter le template de la NVRAM en fait. Faut lui dire le fichier, mais il faut lui donner le template. Alors, faut pas juste mettre firmware, faut aussi mettre le template en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des valeurs qui partent en live, a priori. Je vais vérifier par rapport à mon anti-sèche. On va redestroy recréer. Et on va voir si ça passe. Il me fait tac 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 tac. Ouais, bon, ça c'est la même chose que d'habitude. Alors, ça c'est vu. Et si je retente un plan, est-ce qu'il... Voilà, il me dit no changes. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux no changes. Hop. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Si je reviens ici, que je refais un console. Je suppose qu'il a pas fini. Voilà, il est en train d'installer les petits bouts qui restent. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller faire la même modif, en fait. Du côté de ma Fedora. Oula. Ou pas, à la limite. Parce que j'aimerais bien avoir une branche. Je voudrais finir ma branche Debian.
Parce que là, si je fais... si je fais ça... Ah, remarque, dans le map note, j'ai déjà des choses. Qu'est-ce que j'ai comme modif? J'ai le count qui est... Ouais, ok. C'est des modifs que je mettrais peut-être dans un autre truc. Dans, un, dans une autre branche. On va essayer de se concentrer d'abord sur, sur ça. Et ce que je vais peut-être faire... Ok, donc j'ai mon commit. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est faire un petit... J'ai un petit git add. Ah, ah oui. Alors attendez, deux petites minutes. On va se mettre comme ça. Et alors, petite interlude. Petite interlude. Canin. Voilà. Hop. Tac. Voilà. On appuie. Tu viens dire le mot directement ? Anna, Anna. Ah si. Il vient ma puce. Oh oui, c'est bien. Oh oui, c'est bien. Oh, oh. Ah, c'est ma puce. Oh. C'est un bon chien. Oh, qu'est-ce que je fais ? Tiens. Allez, on en refait un ? Ah non, t'es déjà hâtif. Pas drôle. Arina ! Arina ! Alors, bon, allez. Merci beaucoup. Ça va être à la roue là. Eh oui, justement, elle va là où sont les. Oui, elle va là où sont les triangles. Voilà. Elle est bien. Voilà, c'était le petit interlude canin. Hop là. On remet la webcam à sa place. Et on va revenir sur notre. Ça va être comme ça. Voilà. Donc, j'en étais à. Je veux ajouter bah, le cloud init. Je veux ajouter le map control. Qu'est-ce que j'ai? Si je fais un diff de variable. J'ai le node quantity. Oh, le node quantity, on va pas le toucher vu que c'est juste ça. Du coup, je peux faire un... est-ce que j'ai mon alias gitloops? Ouais, j'ai mon alias gitloops. On va le sauver, ça, dans le password manager. Ça, au moins, il affichera plus, hein, depuis le temps. Donc là, là, par contre, le mot de passe, c'était pas password. Je dirais pas, mais c'était pas password. Là, forcément, il va m'envoyer bouler. Et on push force. Voilà. Donc là, maintenant, c'est comité sur la branche. Vous avez dans mon. Dans la branche Debian Nodes sur, sur mon GitHub. Alors, vous voyez, du coup, ça vient d'arriver maintenant. Mais vous avez les dernières modifs. Si jamais vous voulez jeter un œil exactement à ce qu'il y a, à ce qui est déployé. En ce moment sur le Home Lab. Donc, revenons à nos moutons. Il a fini. Et j'ai bien mes VM avec le tout ce qu'il faut. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Maintenant, on va pouvoir commencer à... Oui, parce qu'en fait, tac, si je refais un plan, normalement, paf, tout va bien. Donc je vais rebooter la VM pour être sur le dernier kernel, le kernel que j'ai, le kernel cloud. Et ensuite, on va aller voir si même en ayant rebooté, un Terraform plan ne me, me raconte pas de bêtises. Et on a no changes. Ok, cool. Question, comment intègres-tu Cloud Init à tes VM? C'est dans l'image que tu déploies. Alors, le Cloud Init, le fichier Cloud Init, en fait, il se retrouve mis dans un fichier ISO qui est monté dans la VM comme un disque serial ATA. Et en fait, c'est là où il y a un petit peu de, on va dire, de trucs que je, j'avais vu, mais je ne saurais pas forcément réexpliquer. C'est que tu as dans la partie Terraform, tu as un fichier. Je me demande si c'est pas dans. Tu trouveras, je pense, l'explication détaillée justement dans le provider libvirt de Duncan McVicar. Où en fait, tu vois, j'ai un code, j'ai une feuille de style XSLT que tu peux donner à manger directement au provider et qui va mettre dans, dans libvirt.
Et en fait, ça remplace de l'IDE par du SATA pour pouvoir faire de l'UEFI. Et en fait, le fichier ISO, d'ailleurs, tu le vois, hein, si jamais je faisais une modif Cloud Init, tiens, je vais le faire pour l'exemple. Cloud Init, HomeLab Control, le User Data. On va aller faire un petit tac et on va faire un apt-get upgrade. Avoir une dist upgrade. Tac. Donc si je fais ça, j'ai fait une modif. Et si je replanifie. Je suis dans lequel? Ah, c'est ici. Tac, je vais remettre ça là. Et ici, je refais un Terraform plan. Tu vois que. Donc, il va régénérer en fait le fichier .iso. Puisque le fichier Cloud Init change, vu qu'il rajoute le petit apt list upgrade. Donc, il va ensuite me faire une mise à jour, un updated in place, en disant bah, le fichier ISO il change, donc tu montes le nouveau fichier ISO dans la VM. Alors, bien entendu, ça ne va pas la redéployer, il faudrait que je destroy et que je recrée. Tu te poses la question pour utiliser Cloud Init quand tu provisionnes des VM sous VMware. C'est parfaitement. C'est un cas d'usage. C'est un cas d'usage classique. À l'heure actuelle, tu as une VM template que tu instancies et que tu paramètres grâce à Ansible. Ok. Cloud Init, c'est possible. C'est un peu le cas d'usage classique de Cloud Init. Tu vas faire un template ultra générique que tu pourras customiser via Cloud Init. Il faudra par contre que tu aies Cloud Init qui soit installé. Maintenant, au lieu d'une VM template, ce que tu peux utiliser, c'est carrément les images. Attends, je vais revenir dans les volumes, par exemple. Non, pas dans les volumes, finalement. Dans les variables. C'est variabilisé. Et si je te reprends ce truc-là pour Debian, hop. En fait, si tu prends les images... on a quoi? On a du Cuco 2, on a du RAW. Je vois pas de VMDK a priori. Mais tu dois pouvoir effectivement en créer une en ajoutant les packages Cloud Init. Si je me log sur la VM. Tac. Et que je fais un dpkg-moins list cloud. Tu vois, tu as les packages Cloud Init. Et salut à toi, Poulporg, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Là, c'est pour du Red Hat, il faut que tu partes de l'ISO. Je ne serais pas surpris que sur du RHEL, peut-être que tu as des images qui existent ou que quelqu'un de... Je sais pas si le support saurait te guider sur ça, mais ça se teste. Apparemment, Image Builder pourrait faire l'affaire. Par contre... Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux faire du packer pour créer l'image, pour créer toi-même l'image. Mais par contre, il faut que tu intègres les packages Cloud Init. Peut-être que tu contactes Red Hat via le support. Ils vont peut-être te rediriger vers un autre truc. Je dis peut-être, je ne sais pas si c'est intégré à RHEL, mais tu as un autre truc qui s'appelle Ignition. À la place de... Hop. Je sais pas si ça a été inclus dans les... Bon, c'est surtout pour du CoreOS, du Fedora CoreOS a priori. Donc ça a peut-être pas été rajouté sur RHEL. Mais en fait, tu as un truc... tu as un truc entre guillemets différent. C'est que pour CoreOS, ils l'ont pas intégré à RHEL. Je serais pas surpris qu'ils l'intègrent quand même. Hein. Je serais pas surpris qu'ils l'intègrent. Parce que honnêtement, Cloud Init dans le monde Red Hat, j'ai pas l'impression que ça. Mais en tout cas, je fais joujou de temps en temps avec CoreOS, Fedora CoreOS en tout cas. Et du coup, c'est du Ignition. Mais sinon, la plupart du temps, ouais, c'est Cloud Init. Oui, tout à fait. CoreOS, c'est un OS immutable. Tout à fait.
Et salut à toi Cyberrat, j'espère que ça va bien. Du coup, je ne te demande pas si tu es sur le point de dîner, mais plutôt Québec, tu dois avoir quoi, 7 heures de décalage, non? Donc, du coup, c'est encore le matin pour toi. Une personne de Charlotte m'a parlé de Image Builder avant Ansible. Image Builder, ça ne me dit rien. Mais je voulais voir Terraform et CloudMint. Mais ouais, Terraform, CloudMint, c'est dans les docs de Charlotte. Ok, bon ben, ils sont pliés à Canonical sur ce coup-là. Oui, parce que derrière CloudMint, c'est Canonical. Hein. Mais voilà, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, ouais, Packer pour générer ta VM et tu intègres dedans CloudMint. Alors, où est-ce que j'en étais moi? J'ai perdu le fil. Si, j'ai dit que globalement on était bon sur la config. Enfin, justement, il n'y a plus qu'à mettre à jour la config CloudMint pour faire certaines choses. Donc, mon fichier, il est là. Il est là, mon fichier, avec les infos. Bon, je rajoute un liste de grade. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous révéler une anti-sèche assez sympa que j'aime bien. Il y a un site qui s'appelle server-world.info. Hop. Qui a l'air d'être fait par un ou des Japonais. Puisque quand on se rend sur le site, si le proxy veut bien. Parce que là, en fait, je passe par le Home Lab. Hein. Sur ce navigateur-là, je passe par le Home Lab. Le proxy serait dans les choux? Le proxy serait dans les choux? Non. Home Lab. Proxy. Ok, Squid est là. Ah, tiens, on a, j'ai pas mis de... je n'ai pas donné de fichier de conf. Je n'ai pas dit de faire des logs. Ok. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah si, si si. Ah mais en HTTP, oui, forcément ça va pas marcher. Des masses. Ah et puis c'est le 3W. Il fait pas la redirection comme ça. Allez. Bon, pendant ce temps. Il passe. C'est bizarre ça. C'est instant sur un autre navigateur. Et ce que je voulais faire, c'était aller sur. Le délai d'attente est dépassé, sérieusement. Je suis surpris. Ça m'étonne que ça passe pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai un autre navigateur, voilà. Hop, je vais vous filer le lien. Et en gros, ce que j'aimerais. Tac. C'est mettre en place un certain nombre de choses. Donc, ce que je vais vouloir, par exemple. C'est notamment installer tout ce qui est prérequis en fait directement depuis CloudMint pour mes control planes et ensuite pour mes worker nodes de façon à être tranquille et pouvoir redéployer mes Kubernetes tranquillement. Voilà.
voilà ce que je veux faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc, je vais me baser sur ça. A priori, il faut que j'installe un certain nombre de logiciels. Donc, on va rajouter ces logiciels-là. Hein. Tac. On va se mettre ici. Hop. Et de toute façon, sudo, ça y est déjà. Curl. Curl, ça y est déjà. Tac. Il va nous falloir nous créer un fichier a priori. Donc on va aller là. On va pas s'embêter la vie, hein, copier-coller. Tac. Alors le fichier s'appelle comme ça. Kvitesse-cri.conf. Alors vous remarquerez que pour l'instant je ne cherche pas midi à 14h, qu'est-ce que c'est. Je découvrirai ça le moment venu. Et le contenu de mémoire, je peux faire ça. Oups là. Je vais éviter que ça se passe comme ça. Tac. Ça c'est bon. Mode probe overlay, voilà, echo moins E dans etc modules-load.d. Donc ça, a priori, est-ce que ce fichier... Non, je pense pas que ce fichier existe. Donc on va pouvoir en fait créer un autre... On va faire la même que ça, en fait. Voilà. Bah alors, tac. Et on lui dit, non, c'est pas ça qu'on veut. Et ça, et en gros, overlay. Ouais, en gros, on va faire comme l'autre. Ah, je me suis trompé, j'ai oublié le pass. Alors, déjà ça, et ensuite. Tac. Ben non, c'est pas ça que je veux. Hop, pas. C'est ça que je veux. Et le contenu. Voilà. Ensuite, il faut lancer cette commande-là qui est... le principe, c'est que vu qu'on installe IPTable, au lieu de NFTable, enfin au lieu... C'est pas ça. Ah oui, c'est vrai que c'est... Il y a double... Oh là là. Donc on va vouloir... je suis en train de me demander si les packages... Je pense qu'il va y avoir... Bon, on est aussi là pour tester. Je voudrais voir dans quel ordre tout ça est fait. Je suspecte qu'à mon avis, les commandes, il va falloir les faire... Je vais le laisser là, mais je me demande si les commandes, il les lance après les installations du package. Sauf que a priori là il fait un truc qui est interactif, ça m'embête un peu et je suis en train de me demander si en fait ce genre de truc je l'avais pas déjà fait avant. Et je crois que je l'avais déjà fait avant quelque part. Sauf que... Je peux juste la faire. Alors, attendez, 2 minutes, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que je peux pas me... Alors, pour l'instant, je suis... Alors, je vais pas dire que je suis ça sans réfléchir complètement, mais presque. L'idée, c'est juste que...
C'est juste que je voudrais d'abord utiliser ce tuto-là. Et ensuite voir par moi-même, une fois que j'ai le truc qui marche, voir par moi-même des trucs on va dire un peu plus conséquents. Typiquement, tu vois que par exemple, il désactive la swap, alors que moi j'étais en swapiness déjà à 1, ça il faudra que je l'enlève. Je crois que mon. J'ai un souci de mot de passe pour GitHub, vous allez rire. Alors, est-ce que ce serait pas. Tac, tac, tac. Si, je savais bien que c'est dans mes trucs. Ah bah voilà, si, en fait je l'avais déjà fait. Alors, je vais revenir ici. Alors, a priori, sur le content, en fait, au lieu de désactiver la swap comme eux ils font, en fait je mettais carrément un VM swapiness à 0. Dans les faits, ça désactive la swap. Le content, il est bien là. Donc, ensuite, sur les packages. Et sur les commandes. Donc, il y a un système CTL moins moins système. Alors, c'est marrant parce que sur l'anti-sèche que je suis en train de regarder, le run CMD est après les packages. Donc, on va voir ce que ça donne. Celui-là, on s'en fiche. Et ensuite, effectivement, il y a un moment, il faisait des modes probes qui sont là. Donc, on va les faire. Sauf qu'on va les faire. Hop là, non, pas comme ça. Non, c'était pas celui-là non plus. Copier, voilà. Et je vais le mettre un par ligne. Le swap off. Alors, c'est marrant, hein. Swap off moins A. Ok. Et l'update est inutile. Il vient là, en fait. Et ensuite, le update alternative, en fait, il n'est pas comme ça. Parce que ça, c'est interactif, donc. Et en fait, je fais directement dans mon anti-sèche, je mets un moins moins 7 IPTable, comme ça. Au lieu d'un moins moins config. Et je lui dis que ce sera USR SBIN. Puisque là, c'est celui-là, en fait. Il veut qu'on utilise le numéro 1, qui est donc en fait celui-ci, le IPTable Legacy. Tiens, je vais copier. Hop, ça, on dégage. Et voilà. Ensuite, il nous dit quoi? Le swap off, on l'a fait. Et on a un ETC SFS tab qui est... D'accord, c'est pour la swap. Ça, à la limite, on s'en tamponne, vu que de toute façon, on a le... La swapiness, je l'ai mise carrément à 0. Donc ça, à la limite, c'est pas grave. Et ensuite, on a de la config grub. Et alors, la config grub, je vais quand même vérifier. Hop, t'es où? T'es là. Hop. La config grub, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de changer ça. On va jeter un œil quand même au fichier etc default grub. Quelle tête il a ici. Et en fait, il veut modifier le grub cmdline Linux. Et là, vous remarquez qu'il y a déjà des choses. Donc, je peux pas genre faire un simple écho dans le fichier en fin de fichier. Ça va être un peu ennuyeux parce que on va se retrouver avec l'existant qui risque d'être retiré. Alors, comment est-ce que je m'y étais pris moi dans mon anti-sèche? A priori, j'y m'étais pris avec sed.
Je m'étais pris avec Sed. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais pris en fait, je m'étais basé sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, je le dis de remplacer ça par ça plus la suite. Marrant. Donc si je reviens ici, en gros, le Sed, il fait ça. Tac. Voilà. Donc en gros, le Sed moins I pour le faire en in place, et le moins E puisque le truc est un peu étendu. Et bien entendu, derrière, on fait un update grub. Tac. Et ensuite, il fait installer kubeadm, kubelet et kubectl sur toutes les machines. Donc en fait, il y a juste à reprendre les commandes en question. Et ensuite installer le bignou. Et a priori, lui, il fait 1.26. Alors je crois que la dernière version de Kubernetes c'est plus récente, mais on va rester en 1.26. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de voir ensuite comment faire les upgrades. Mais à la limite là on est plus comment dire. Le but c'est pas de commencer à faire du cube dès maintenant. L'idée c'est de rajouter les informations pour déployer les VM et voir que ce qu'on veut comme config est bien dedans en fait. Mais de toute façon on va péter get update, il est là. Le dist upgrade de. Non, on va pas le lancer maintenant. Par contre, il va falloir installer. Alors, ce que je suspecte, c'est que si les packages ici là sont installés avant, on va peut-être avoir besoin de faire nous-mêmes l'APT ici. Hop. Et ensuite. On rajoute le petit truc qui est là. Et je crois qu'on a tout. Je crois qu'on a tout, en tout cas pour ce truc-là. Donc, maintenant que j'ai mon j'ai à peu près mon truc. Donc là, on a juste l'installation de kubeadm. Et ensuite, on va regarder pour le control plane la config. Donc ça, c'est du kubeadm, init. J'ai rien sur une histoire de cgroup systemd. Alors attends, je vais regarder après. Tac, tac, tac. Ça, on pourra peut-être le voir plus tard. Donc a priori, pour mon installation de kubeadm, est-ce que j'ai un truc pour les cgroup systemd? Alors. De mémoire, c'était pour conf containerd. Alors, j'ai containerd qui est dans les trucs, dans les packages. J'ai deux update alternative, swap pop. C'est ça. Ça doit être ça, hein. Le systemd unified c group hierarchy. Et donc, je l'ai fait, c'est le truc dans le sed, dans la config. Voilà. Pourquoi c'était où pour toi? Déjà, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Toi, c'était dans la conf de containerd. Ah, marrant. On pourra jeter un œil à la conf dans etc containerd config.toml. Ok. Ça pourrait être intéressant
de regarder ce que ça donne. Je... Faudrait que je me note ça dans un coin, ou que si tu es là pour les prochains lives, tu me le rappelles. On va replane. Hop. Alors, bon, ça, il n'y a pas de souci. Tac, tac, tac. Donc, on va aller voir. C'est surtout l'ordre, en fait. Est-ce qu'il va me faire le run CMD avant ou après les packages? Là, je suis dans le flou. Allez. On revient ici. Est-ce que j'ai mon contrôle? Ouais, il est là. Allez, console, tac. Donc là, normalement, voilà, le apply, il est bon. Et là, c'est en train de démarrer. Cloud Init, il est en train de me faire du Cloud Init. Et il a... Ah, il n'a pas fini. J'ai cru voir passer la mise à jour noyau. Mais c'est qui donc? Je viens juste de voir l'heure. D'habitude, à cette heure-ci, j'ai terminé. Donc, ça veut dire qu'on continuera la semaine prochaine sur ce sujet-là. Je vais juste attendre d'avoir fini ça. Voilà, là il est. Ah, il est bien en train de me setup ça. Ça, je crois qu'on l'a mis. Et le C Group Driver. D'accord. Ok. Et on peut modifier ça dans le ETC container des config.toml. Ok. Ok. Bon. Alors, il me dit quoi? Il me dit qu'il a fini là en fait. Ready for action. Donc, que je vérifie. Ce qu'on va faire, c'est pour vérifier ça. Var log cloud init output.log. Donc la config réseau, tac tac tac, ça c'est bon. Là il me dit quoi? Là il me dit qu'il va installer des packages. Ça c'est bien. Ok, reading database, blablabla, blablabla, bla bla. Ouais, ça c'est cool. Et ensuite, il lance les commandes. Puisqu'il me dit bien, applying system, tac, tac, tac. Il a fait l'update alternative. Ok, donc il fait bien les commandes après. Par contre, il n'a pas réussi à trouver les packages. Kubelet, kubeadm, kubectl. Pourquoi? Pourtant, j'ai fait un echo deb. Est-ce que j'ai mon source.list.d? ETC sources. Ah, pété, j'avais oublié. Tac. Sources.list.d. Voilà, j'ai bien mon kubernetes.list. Et là, si jamais je fais un apt search kubeadm, il ne me les trouve pas. apt update.
Alors, attends, 404 not found. 404 not found. Donc là, il y a un souci de réponse. Ok. S'il faut, ça fait la même chose avec Grub. S'il goûte avec V2 Container D, passe par V2 automatiquement. Ok. Il y a un 404 sur Kubernetes génial. Ok. Ok. Alors, ce que je vais faire, parce que en théorie, je devrais déjà avoir rendu l'antenne, entre guillemets, c'est que je vais quand même pousser ma modif sur. Sur GitHub. Et ce qu'on fera, bah, c'est qu'on continuera ça la semaine prochaine. Puisque de toute façon, il y a, les worker nodes à faire. Et que je vais vouloir en installer plusieurs de chaque. Et ensuite passer à d'autres déploiements de VM. Pour finir avant de effectivement passer vraiment sur des streams cube. C'est tout à fait ça le lien. Tout à fait Max. Ah non pardon, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est le labat code NG. Autant pour moi. C'est celui-là. Okay, je te mets même avec la branche actuelle. Voilà. Allez. C'est qui explique les fichiers de 2 ans. Tout à fait. Voilà, voilou. Bon. Bah, j'espère que vous êtes bien amusés. Bah, je t'en prie, c'est moi qui te remercie si t'as envie de jeter un œil. Patches welcome, comme on dit. Je suis surpris, on n'a pas eu de petit passage de l'ami Adrien de Linux Trix qui sur Twitch fait généralement plutôt de la musique que des geekeries. Pourtant il est en live. Il est en live. Si ça se trouve, il a dû arriver à la bourre. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah, comme d'habitude, on va aller le raider. Mais avant ça, comme d'habitude, donc les streams ont lieu tous les dimanches de 18h à 20h. À peu près. Hein, je démarre un peu à la bourre, je termine un peu à la bourre. Il y aura encore un autre stream qui va sauter fin juin. Celui du dernier week-end de juin. Parce que je pars un petit peu aussi en week-end de temps en temps, ça m'arrive, voire même en vacances. Ceci étant dit, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Comme je l'avais dit pendant le stream, hein, un petit point d'exclamation socials va vous renvoyer vers anotherhomepage.org sur lequel vous allez retrouver l'intégralité de mes réseaux sociaux. Incluant tout le code qu'on vient de voir donc sur le dépôt GitHub qui va bien. Il y a aussi bien entendu tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai envie de dire ce qu'on appelait le micro-blogging à une époque, c'est-à-dire grosso modo Mastodon, Blue Sky, Twitter. Salut Zoe, t'arrives au moment où on finit. Si je dis que tu arrives au moment où on finit, je suppose quand même poser la question des replays. Il y a des très vieux replays sur YouTube que je suis en train de cravacher pour rattraper le retard. Vous avez de toute façon le replay Twitch pendant 2 semaines. J'espère que d'ici la rentrée, j'aurai rattrapé le retard pour les replays sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner à la chaîne. Donc au moment où on est le 9 juin 2024, à ce moment là on est un peu plus de 900 abonnés sur la chaîne. On est bientôt à 1024, donc je vous invite forcément à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir les replays. Ça vous permettra d'avoir l'info quand il y a des nouveaux replays qui sortent, c'est à dire grosso modo tous les jours. Voili voilou. Et merci beaucoup pour le follow Ubren, merci énormément. Voilà, en plus de vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez follow ici la chaîne Twitch, puisque de toute façon, si vous activez les notifs, vous avez une notif au moment où je lance le live. Voilà, voilou.
on va lancer le raid vers Adrien. Restez pour aller lui faire un coucou de ma part. Et en plus, non seulement ça le soutient, mais ça me soutient aussi. Hop là, Adrien, tac, tu es où? Voilà. Allez, ça, raid. Bisous, bisous, ciao, ciao, bonne semaine et à dimanche prochain.